Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Cross the Time en compagnie de Brioche et Hamster. Salut les gars. Salut, pourquoi tu cries pas? J'ai un petit problème vocal. Explique-nous donc ton problème. Eh bien, ce week-end j'étais en convention, ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup parlé fort, crié. Et ensuite, hier soir, j'ai eu un gros tournage, ce qui fait que ma voix est complètement aphone. Voilà, j'ai vraiment du mal à parler, donc je m'excuse, mais bon, voilà, faudra faire avec pendant, on sait pas combien, un ou deux épisodes, mais bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas, j'ai pris du bonbon au miel, du lait au miel. Prenez voilà, un peu de bonbon. On est d'accord, c'est pas vous la potion là, hein. Non, ça c'est. Non, Navi, non, c'est pas nous, c'est pas nous, ouais. Ah, ok. Voilà, en espérant que ça ne perturbe pas trop les gens, mais bon, je suis désolé, ça arrive. C'est ça ou pas d'épisode. Boum. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, bah, je risque de pas trop parler non plus, mais enfin, voilà, de parler qui doucement. Qui repose sa voix, on s'occupera voilà. de faire les grandes gueules à sa place. Voilà, et c'est ça. On est reparti, donc on avait fini notre zone précédente. Je vous propose, les gars, qu'on fasse péter les bouteilles d'enchant. Devant le roi pour lui faire les pieds, je sais pas. Allez, devant le roi. Allez. Genre, hey, salut. Ah ouais, mais il est roux. Ah bah ça passe pas alors. Tant pis. Alors, on y on va. Parle. Non, on lui parle ou pas? On lui parlera après, Ouais. Je fais les bruitages. Vas-y. Je fais les niveaux, vas-y. Attends, j'en ai encore. J'en ai. Ok, j'ai plus rien. J'ai encore 50. Oh, ouais. J'ai essayé de passer. Je les laisse. Ah, voilà. C'est super compliqué. Pourquoi vous aviez autant de potions? Il faut me prévenir quand je parle dans des trucs comme ça. Quand vous avez tant de potions, comme d'habitude, j'ai pas assez de niveau pour améliorer un truc. Vous étiez level combien? 18. Bah, c'est bien 18, 20. Non? Je suis 20. Non, il faut aussi, être dans les, 15, faut être dans les niveaux 20. Je crois. Pas un truc à 15. Ouais, moi je crois qu'il y avait des trucs à 15-16. Ouais. Hein, on peut aller voir. On parle au roi? Allez, on vas-y, parle au roi, ce savoir sera ce qu'on fait. Va faire après. Tu as réussi. Non, bah non, tu lis, Sif. Non, non, vas-y, je t'en prie. Tu as réussi encore à t'en sortir des. À t'en sortir des pièges de Ran. Ouais. Bah. Elle est bizarre cette phrase. Bon, ouais. Passons. Malheureusement, en tuant le géant de pierre, tu as provoqué la colère des dieux, évidemment. Et le déluge, il te reste 3 gemmes à trouver, et c'est l'occasion d'arrêter cette catastrophe en allant à Ekor, le donjon de la montagne. La gemme protège justement un mécanisme permettant de modifier les événements célestes de notre monde. Va à la montagne en passant par un tunnel secret dans la bibliothèque du palais, grimpe et atteint le sanctuaire d'Ekor pour activer le mécanisme céleste, tuer Rakanishu et récupérer la gemme. Rakanishu. J'aime bien l'idée. On va dans un j'aime bien l'idée, mais il ne reste pas beaucoup de trucs à récupérer. Et on n'a pas eu beaucoup d'écailles. Alors, j'en ai encore 2 sur moi. J'en si ai 4 moi. Vous voulez qu'on aille au magasin? Il est juste là. Ouais, allez, on va y aller. On te suit. Attends, il est pas très loin normalement. Vous connaissez oui, voilà, le centre de l'orientation exceptionnelle, je préfère te suivre. C'est là. Le magasin alors. Sacré. Le magasin sacré. Ok, il faut 6 écailles, 11 écailles. Tiens, Brie, je te file mes 2 écailles. T'en as toi, Hunster? J'en ai 6, 8, 8. Ah, mais non, j'ai volé. Tiens, je te rends les 2 qui t'a filé quand même. Ah, ça veut, ouais. Mais t'en as. Moi, j'ai déjà l'épée one shot. Hein. Là, j'en ai 6 du coup. Parce que là, il y a ça qui a l'air mignon. Protection 10, Unbreaking 10. Ouais. Après, il y a des trucs plus chers. T'en as 6, c'est ça hein. Oui. Donc, potentiellement, on en a maximum 12. Il y aurait quoi à 12? Ah, non, il y a rien. Il y a soit y a 26, le truc à 6. 18. Soit, ouais. Je pense que toi, ça pourrait être bien de prendre le truc, la protection. Moi, je vois rien de très intéressant. Yes, après, il y a des arcs infinites, ce qui est pas mal, parce que comme ça, les flèches, on peut les vendre sans vergogne, quoi. Et là, il est à 4. Ouais, il y a un arc bah, infinite, flamme 1, power 2. Excusez-moi, je vous interromps 2 secondes. Oui. Je suis au magasin des chronotons. On n'avait pas dit un truc comme quoi c'était mieux de convertir les os en bonne mille pour les vendre? Non, ça marche pas. Hein. Parce que c'était genre les convertir en bonne mille, les mettre dans le coffre où tu mets tous les déchets, sauf que ça je sais pas, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Tu peux tenter, hein, mais... Bon, je vais me prendre une armure, du coup. Mais ça me fait 2 objets sacrés, quoi, sacrés. Vous en voulez pas, bon. Non, non, prends-toi quelque chose. Tu trouves quelque chose de pertinent pour moi ou pas? Bah... Toi, c'est plutôt magie, c'est ça? Ouais. Sérieusement, eh, les mecs. L'arc il a flame quoi, donc ça fait un peu boule de feu. Les mecs, oui. Ouais. Je viens de claquer du coup 53 os en bonne mille et ça m'a rien donné. Super. Oh. Ah ouais, non, mais quand je disais test, c'était genre test un peu. Ouais, non, mais. Ouais. Bon, tant pis.
Attends, j'appuie sur le bouton. C'est ici pour valider. Voilà. Et ça va arriver dans le coffre, je crois. Non. Ok. Tu l'as non. eu ou... Ah, je l'ai, oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai mon armure de Lady Gaga. Oh, t'es la plus belle. Est-ce que je prends l'arc? Bah moi je trouve que l'arc c'est pas mal. Au moins on pourrait, enfin la personne qui l'a pourrait vendre toutes ses flèches sans problème. Allez, bah je l'ai pris. Allez. Et puis il a flame, il a power 2, enfin il est bien non? Non non c'est un bon arc hein, clairement. On est d'accord? Ah non, non je crois que c'est plus le cas. Infinity faut pas avoir de flèches. Il faut une flèche? Ah si il en faut une. Je sais qu'à une époque il en fallait une mais il me semble que ça a changé. Ah je sais pas ça. Ok c'est où le chronoton? Bon je te suis. Ok. Bon bah pff, je me suis fait quasi que dalle en chronoton. Hein. Bah au pire on peut se taper sur Sif, hein, c'est là-bas. Allez. Oh, on va pas changer les bonnes habitudes. Hein. Sauf que je suis plus là-bas. Tu vas voir si t'y es plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon vrai, t'y es plus, mais voilà. C'est pas loin. Là y'a Pingu pour les améliorer avec les trucs d'XP, tiens. Ah, on Pingu. A 20 levels. Qu'est-ce je sais pas si récupérer. Tu peux faire. Je sais pas, régénération du dalle, c'était cool, mais voilà. Tu vois, y'a Ast là à 15, tu peux te l'acheter. Toi. Ah, je vais y aller, attends. Regain de dalle, ouais. Mais je l'ai déjà acheté Ast, je crois. Ah, 10. Ah, regain de dalle, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Résistance, ça peut être cool, mais ça coûte trop cher. Ah, ouais, dalle, il faudrait que j'arrive à niveau 30, quoi. Regain de dalle, il va me refuser, ouais. Niveau 2, il me faut 30 levels. Regain de vie, il coûte 20, mais je crois que je l'ai déjà. Il n'y a pas un endroit où on peut avoir des XP contre des chronotons ou c'est l'inverse? Si! Si, si, je crois. Si, si, si. Attends, tu parce que moi, ça me saoulerait de pas avoir de trucs là. Et est-ce que Ast, je l'ai à vitesse d'attaque? Moi, je crois que je l'ai déjà, Ast. Bah, t'appuies sur eux, tu verras. Oui, oui. Ah, il y a moi, Force aussi. Force, ça peut être bon plan. Hein. Et Force, c'est à combien? 35. Mais genre, ah, ouais, cher, si on achète quoi. Des levels. Alors, attends, bah, je sais où est-ce qu'on d'aller voir. C'était vers le roi là, vous savez, le truc spécial. L'endroit spécial c'était. Moi je vais le perdre et je me TP sur vous dès que vous avez trouvé. Là il y a la clé maison. Je crois que c'est par là moi. Il y a les bibliothèques. Ah bah les bibliothèques par contre ça doit être dans le coin qu'il y a le passage secret là. Possible ouais. C'est vers le haut attendez. Là il y a le jardin de je sais pas quoi. Le jardin des enfers. Mais je sais où c'est moi. Ah, là j'ai le passage secret en tout cas. Mais... Ah bon c'est déjà je pense bon que de l'avoir ça. Repéré. C'est ici, ça. C'est ici, téléportez-vous. Un peu là. Okay. Ah. Vous avez vraiment aucun sens de l'orientation. Ah, moi, ah mais d'accord, moi, c'est je clair. Pensais pas que c'était ça en fait. Ah, je crois que c'est ici, non? En dessous là. Non. C'est quoi ça? Ah, bah j'ai trouvé des bouteilles d'XP. Ok. Il venait de nous dire qu'on avait pas de sens d'orientation. Il y a un truc regain et Golden Sword, je vous laisse regarder. Dans le coffre ici. J'ai ah oui, je suis déjà venu près. Ici, mais. Il y a aussi des armures hein, si jamais. Je suis déjà venu. Qui c'est qui veut un bon casque? Salle des raccourcis. Hunster. Bah, laisse-le plutôt à bris s'il en a pas. J'en Regarde. Ai pas, mais j'ai déjà mon armure. Ouais, non, prends-le, franchement, il est top. Il ouais, a un vrai y a King Thorn sec. Et tout, ouais. Ah, c'est cool. Merci. C'est où? Tu le gardes du coup? Bah, tu le veux? Ah non, non, pas spécialement, j'ai déjà mon truc sacré là. Par contre, j'ai pantalon et bottes en or. J'ai pas de pantalon, mais je m'en fous, tiens, je te le donne. Que t'aies des trucs. C'était que pas tu ici. Sois pas tout nu. Ok. Donc oui, tu disais quoi sur notre sens de l'orientation, Sif? Bah j'étais persuadé que c'était ici, non? Alors attends, ça doit être à côté. Bah du coup j'ai quelques bouteilles d'XP. Mais... Il me semble que c'était en souterrain. Bah vas-y, éclate la clé. Bah j'en ai que 6. Moi je veux bien, je les veux bien si ça t'embête pas pour passer niveau 20 et avoir de la régène. Ah ouais? Ouais, voilà. Je les veux bien, s'il te plaît. Il me semblait que c'était dans le coin, moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, oui, je suis ça. De retour. Merci Nvidia pour ce crash card graphique. On leur fait des bisous. Oui, on leur fait des bisous toujours. Toujours Nvidia, on leur fait des bisous. Non, écoutez, mais... terminez de vous stuffer rapido. Je vais aller me faire 2-3 niveaux. C'est où la salle pour... où on achète des trucs Enfin, où on vend des trucs, pardon. C'est chez Hannibal Show, je crois. Ouais, Hannibal Show, ouais. Attends, c'est moi dans j'ai la, dans, la rue, dans la rue principale, c'est une maison sur la droite. Moi j'ai des raccourcis là, alors vas-y. Forgeron, alchimiste, épicier, maître d'armes, banque. Ah, voilà, ah, voilà, c'est la banque. Ah oui, et donc combien ça coûte cette merde? Plus 20 chronotons, moins 100 10 XP, 40 chronotons. Ok, c'est beaucoup ça. Hein. 40 chronotons, c'est 100 XP, ça m'a fait gagner 2 levels. Enfin, je suis monté 22. Puis 23, puis 24, puis 25, puis 26,
Ah ouais, d'accord. 27, ah ouais. Puis 28. Il faut que je sois niveau 30, je vais prendre la résiste. Moi aussi, moi. J'aurais pas dû claquer mes chronotons dans la bouffe. C'est pas grave. 25. Moi, dès que je suis level 30, je peux faire des dons de chronotons dans la banque. Donc je pourrais te donner si tu veux. Ah, je suis à 26 là. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Non, mais je vais être niveau 20 pour ma régène, ne vous inquiétez pas. Il y a des donneurs, receveurs. Je suis dans le désert là, si besoin, donc. Faut aller au truc où on peut prendre des items. C'est où, Brie? Je suis perdu, putain. Je sais pas où on est là, mais. Ouais, je suis jamais allé ici, c'est sympa. C'est glauque un peu quand même. C'est l'épisode de la relaxitude quand même. Comme souvent quand on finit une zone. Forgeron là. Si tu voulais acheter? Oui. Vendre. Attends, je sais où on va aller. Viens voir. Salut. Il y a le truc magique là. Le téléporteur? Ouais. Ouais, faudrait que j'arrive à aller juste là-bas en fait à chaque fois. Il est plutôt cool le téléporteur. Donjon du repos. Ah ok, c'est ici. Alors. Marché noir, non, Hannibal Show? Oui, c'est ça. Ok, et on va vendre. Ça, je te les ai donnés. Tiens, les strings, moi je vais vendre. Boum. Vous m'autorisez que je me TP? Je suis dans le désert. Oh bah oui, vas-y. Bien sûr, on fait ça en boucle. Ok, merci. Je suis niveau 20, je vais pouvoir m'acheter la régène. Ok, nickel. Ce sera déjà ça. Ok. C'est le jackpot, bordel. C'est le jackpot, mon pote. Là, il y a des poudres de creeper. Ensuite, en fait, je sais pas, on devrait faire ça en off peut-être à chaque fois. Non? Peut-être, oui. Parce que bon. On est là, tranquillement, on discute. Il faut faire des blagues zoophiles. Les gens aiment bien les blagues zoophiles. Je sais pas. Une blague zoophile. Quelqu'un a une blague zoophile? Pas spécialement. Vous avez pas d'humour zoophile, vous me décevez. Il y avait une amitié qui s'était instaurée entre nous. Et là, vous venez de tout ruiner, ok? Mais t'en as toi des blagues zoophiles? C'est un mec qui rentre dans un bar. Oh mon dieu. C'est la seule que j'ai. Voilà. Bon voilà, j'ai de la régène, c'est plutôt cool. On va au passage secret? Si vous entendez Monsieur Grimm écouter de la musique, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je vous préviens. Ah, les flèches. Le passage secret, il est où? Je suis encore là, moi, pour environ une à deux semaines pour mes flèches. Voilà. Bah après je prendrai le relais donc vous pouvez dire là le mois prochain quoi. Donc voilà, les amis, on va se laisser hein, et on se retrouve dans une année ou deux. Voilà. Brioche. Ouais. Je suis à la bibliothèque mais je vois pas le passage. Tu l'as vu où? C'est en haut. Ah ça y est, je l'ai vu, ouais. Attends, mais moi je vais être niveau 30 hein, rien à foutre là. Wow. Non mais grave, mais moi je suis large là pour être niveau 30, j'ai 200 chronotons d'ailleurs, t'as ton niveau Sif? Oui c'est bon, j'ai ma régène, je vous attends au passage. Ok. Ah ouais, mais là les flèches c'est trop long quoi. Ah, ça sert à rien de mettre du poisson dedans, il va pas l'accepter. Il aime pas? Non, il aime pas le poisson. Je vous propose qu'on fasse une mini ellipse le temps que vos flèches soient finies et on les retrouve devant le passage. Jamais! Si tu veux. D'accord, les amis, vous allez engueuler. Non, si tu veux. Je vous propose. Ellipse? Ellipse. Allez, à tout de suite. Waouh, c'était synchro! On est de retour dans la bibliothèque de l'amour de la passion et le passage secret est juste devant nous, je suppose. Et donc on y va? Oui, c'est ça. Let's go. On a ouvert ce coffre? On peut ouvrir ce coffre? Bah, il y avait du papier, j'ai pris. La source de corruption, ok. Et du coup, on a acheté On a résistance tous les deux. Level 1, je sais pas quoi. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, il marche bien le truc. Ok, c'était peut-être pas ça. T'es sérieux, Brie? C'est qui lui? C'est quoi? Il a dit qu'il fallait remonter la source, non? Ah bah alors remontons la source. Vous voyez. Des bouteilles. Et un pantalon que je vais vous laisser. Moi je monte la source. Des flèches, je sais pas si vous en avez besoin. C'est quoi des flèches? Bon, j'en ai assez. Tu veux pas le pantalon? Bon, j'ai pris le pantalon. Donc on remonte la source. Voilà. Ouais. Tel des saumons en période... Migratoire. En période. Exactement. Migratoire, c'est le mot que tu cherchais. D'accouplement. Voilà, l'accouplement. Non, c'est quand les migres qui font ça. Ils vont pas s'accoupler en remontant une source, c'est dégueulasse. On en parle de ce qu'il y a sur notre gauche ou... C'est un zombie tête de glace. Non, il y a un zombie tête de glace. Ah, ouais, moi c'est ce que j'ai tué en bas. Je trouvais ça plutôt mignon. Oh, regarde, c'est la neige. C'est forcément par là. C'est Noël. Je sais pas la suite. Moi je connais pas les paroles. Ok. On y est. Bah après je sais juste que ça fait Bad Romance, la musique. C'est stylé la zone. C'est vrai. Oh là, c'est glacial. Oh non. Bonjour, on est chez les gorons là, c'est ça? On est chez les morons.
Goron. C'est joli. Ah, c'est joli. Il y a des gens en armure en diams. Ok, tout va bien. Je me. Hein, voilà. Non, c'est pas des armures en diams, je pense. Je crois que c'est des armures en cuir teinté. Ouais, mais en haut, c'est vraiment du diams. Ah, ok, bonne chance. Donc, moi je. Okay, je regarde combien de coups je lui donne pour le. Fouille la zone, Brie. Il y a plein de coffres, des bouteilles d'XP et tout. Attends, déjà, j'essaye de voir. Bah, essaye-toi, vu que t'es en invisible. Ouais, oh, ouais. C'est joli. Il faut putain de 25 coups pour les tuer, mais c'est pas grave. Donc là, c'est bloqué. Ouais, ils font pas très mal. C'est joli, franchement, on a une vue sur tout le village et tout. Ouais, c'est moi qui tape, c'est pour ça. On a même une vue sur l'ancien pont avec le village du professeur Chen et tout là. C'est... Oh, il était cool cet endroit. Ah, ouais, un autre. Oh là là, c'est la merde. What? Il t'a donné quoi? Il faudrait les tuer, les gars. Pourquoi il m'a donné une hache avec sharpness 6, unbreaking 5, 13.5 de dégâts. On va bien. C'est pas mal. Pour une hache. Il y a trop de zombies là, faut fouiller, laisse tomber. Moi je suis tranquille. On pourra pas aller te tuer là. Ouais, on se casse. Je suis en train d'aller super. Ah bah non. Là, je vais en bas, il y a des pics. Il a décidé de bloquer avec un mur invisible. Là, il y a une espèce de grosse grotte. Une grosse grotte. Il spin frinso. Ah, un coffre. Vous avez des flèches et des bouteilles d'XP. Ah, tu m'as volé ma flèche, tu peux m'en rendre une. Ah, c'est possible. Il y a une grande tour aussi, hein. Je crois qu'on peut y avoir accès. Ah là, j'ai trouvé quelque chose. Là. J'ai trouvé une zone avec des grilles. What? Genre, je peux pas le tuer. Okay. Non, je pense. T'as une zone avec des grilles. Ouais. C'est peut-être la sortie d'un truc. Et un monstre à l'intérieur, mais. Ouais, c'est pour après, je pense. Ah, je pense que c'est là, parce que là, il y a un checkpoint. Ouais, ouais. Là, il y a un petit panneau qui dit c'est par là. Ouais, AMD, c'est meilleur. J'avais une ATI avant, c'était de la merde. J'ai que des cartes Nvidia depuis genre ma naissance. C'est très bien Nvidia, c'est juste que bah je suis ils aiment pas le. D'Nvidia, mais, est-ce que t'as la musique qui brille? Oui, j'ai la musique. Elle est super stylée. Vous êtes descendu? Non, on est remonté l'escalier pour voir s'il y avait autre chose. Brioche, le chemin va super loin et on peut y aller. Hein. Donc il y a sûrement quelque chose. Ah, c'est bon, je suis arrivé à l'entrée d'un temple et il y a un checkpoint, c'est par là. Ah bah alors, c'est quel endroit le mieux? Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? TP village, attention, vous devez revenir à pied. Je pense que l'endroit où je suis, c'est le véritable endroit. Il y a un pont au-dessus de notre tête. Bonjour, oui. Salut. Fouille, ouais, je pense que c'est le véritable endroit où on rentre dans la structure en pierre. En plus, il y a un beacon en haut. Va d'abord voir le petit endroit que t'avais vu, peut-être. Ok, bon, demi-tourte. Ouais, au poulet, s'il te plaît. Et ensuite, l'endroit que j'ai trouvé, je pense que c'est. En plus, la musique s'est déclenchée quand je suis parti par là-bas et tout, donc. Non, mais la musique est trop belle. Mais je sens que je vais kiffer cette zone. Ouais, elle a l'air cool. Ça rafraîchit. En cette période, ça fait du bien. Et la zone, elle dit quoi? Elle dit c'est glacé. Ok, c'est la caverne des glaces. C'est très joli. Il y a des arbres de glace. J'arrive. Ah ouais, viens. Et regarde, je fais tout fondre. Boum. Et sur la gauche, là, avant les escaliers, il y avait quoi? C'est de là qu'on est arrivé. C'est de là d'où on venait. Non. Par. Oh, c'est joli. Il y avait. On pouvait arriver par en haut, mais il y avait un chemin par en bas aussi. Oui, bah c'est de là qu'on est arrivé. Ah d'accord, moi je suis arrivé par en haut. Il y a un message au-dessus d'une porte là. Et il y a un interrupteur tout en haut. Ouais. Oh là là, mais le monde en bas là. Attendez, je descends. Salut. Attends, je mettrais bien un petit appât moi. Ouais, je suis déjà en bas, c'est bon, t'inquiète. Je fouille. Appât. Ok, c'était une très mauvaise stratégie, ça m'a juste permis de monter sur un arbre. Ce qui était en soi inutile. J'ai mis des appâts, je sais pas s'il nous aidera un tout petit peu. Putain, c'est chiant la glace. Je sais pas par où passer. Laissez-moi tranquille. Alors, je fais le tour de la zone, mais il y a un interrupteur. Vas-y. J'ai activé un interrupteur. Un interrupteur, tu sais, comment on appelle? Un bloc... De fer? De fer, ouais. Ouais, je l'ai vu. Je pense que ça a ouvert le passage devant. On va espérer. Non. Non? Ah, c'est pas ça. Ou alors, il y en a d'autres. Ah, ils sont cool, tes appâts, merci. Ouais, bah, ils sont pas très nombreux, hein. Attends, je vais fouiller par là. Par rapport au nombre non, de mobs. Non, il marche pas trop. En allez-vous. Oh là, passe pas devant moi. Ah mais tu m'as retapé deux fois. T'as vu le nombre de trucs que j'ai devant moi? Ouais, mais il y avait moi dans ce nombre de trucs. Il y a un coffre ici, vous l'aviez pris? Ah, j'ai pas pris de coffre ici. J'ai pas pris de coffre dans la zone non plus, donc sûrement pas. Ok. Je résiste, c'est pas mal. Sauf que tu existes. Ouais. Je sais pas honnêtement ce que j'ai ouvert avec ce.
Je sais absolument il doit pas y avoir où je deux suis. Leviers. Quand j'ai appuyé sur le levier, il y a écrit Aleph qui s'est écrit dans le chat. Attendez, mais vous avez pris un checkpoint supplémentaire en fait. Bah il y en avait un. Et je descends les escaliers, t'as fait la même chose? Non, on ne descend pas, monsieur, là t'es beaucoup plus loin. Je suis où? Attends, je vais faire demi-tour, je vais essayer d'appuyer sur le bouton de checkpoint si les je peux. Les amis, remonter. Je suis en jump. Oui, non, remonte, Hunter, c'est pour beaucoup plus tard, c'est ce qu'on me disait. Ok. Est-ce qu'on peut remonter, là? Oui, je suis déjà en haut, attends, je vais activer le jump. Ok. Je vais activer le checkpoint. Aïe. Et tu disais Aleph, je sais pas quoi, et ouais. Le panneau qui ouvre le truc bizarre, là, il y a un panneau au-dessus qui dit Aleph, et après, il y a d'autres mots, même Aleph, et tav. Même tav. Quel panneau? Ah, là-bas, ouais. Il y a un golem dedans. Donc il doit y avoir d'autres panneaux. Bah déjà, il y a un interrupteur qui est tout en haut de la structure. Moi, j'aimerais bien réussir à sortir de ça, là. Fous-moi la paix, toi. Faut les buter, hein. Ouais, ils sont butables. Ils sont pas très solides. Je suis mort. C'est pas par là, non, c'est pas par là. Putain, les flammes, c'est chiant. Faut trouver, à mon avis, c'est une histoire de jump pour grimper plus haut. Tu crois? Monter sur les arbres. Ouais. Parce que moi, j'ai réussi à monter sur les arbres à un moment en utilisant mes boules de feu, tu sais, ça fait une explosion, ce qui fait que je me suis propulsé en l'air, etc. Ah non, oui. Je pense pas que ce soit comme ça. Mais... glitch, toi. Ouais, bah ouais, tout le temps, ouais. Ou alors, c'est pour voilà, je vois plus rien, l'immeuble, là. Cassez-vous. Je vais mourir. Allez. Adieu. Y'a pas d'interrupteur, là. TP à moi, je suis en hauteur. Y'a un levier. Oui, sur attends, le un. Et il dit TAV. Ah, tu l'as trouvé? Ah, tu l'as eu? J'ai TAV, ah, il est dessus, lui. Mais il était où, ton levier? Il est au-dessus. Au-dessus. Il a réussi à l'atteindre. Comment t'as fait? Bah, je suis monté. Mais par où? Bah, j'ai fait le tour, il y avait des possibilités. Ah, mais oui, j'avoue, en fait, on est bête, il y avait un chemin, exact. Et je viens de trouver un coffre que t'avais loupé, avec du diams. Ah, et là-bas, il y en a un autre. Et là, il y en a un autre, je le vois, je vais l'activer. Ah, bah, allez-y, bah, du coup, ça va okay. Ouvrir, normalement. C'est le bon? Attention. Oui, c'est yeah. Bien ça, c'est ouvert. Oh là, okay. Ça a libéré aussi masse zombie en bas. Mais il y a un golem dedans, non? Appa! Plus d'appa, voilà. Go dedans. Je suis dedans. Ok. Et il y a un golem de fer. Ah, ça peut être un sort sympa, oh, ça. C'est trop bien ça, c'est pour nous toi, défendre. Avoir qu'un puissant golem de fer combattant à vos côtés. Qui le veut? Bah toi, en ah, moi, je... ouais, oui, toi. Moi, ça serait plus utile, ouais, j'avoue. Allez, on sort. Tu les rushes, tu mets les trucs et tu te casses, quoi. Et donc là, on fait le petit jump que j'ai croisé tout à l'heure? Non, là, Hunter, regarde sur ta droite. Reviens. Ouais, droite. Là, tu vois l'épée en haut? Ah oui, je te vois. Bah voilà, vous grimpez par là. Ok. Et okay, du coup, maintenant, on peut aller à l'endroit qu'on avait vu après. Parfait. Bon bah voilà, cette petite zone était sympa. Bah le sort. Vous avez pris le coffre sous la glace là? Ouais. Enfin je crois. J'ai pris tous les coffres que j'ai vus donc normalement ouais. Moi j'ai rien pris en coffre ici. Et ici ça menait où? Vous me dites que vous arriviez par là, mais comment vous pouviez arriver par là? Mais non, vous arriviez toi... pas par là. Mais si, je t'ai dit qu'on arrivait par là. Par le bas? Oui. Et le haut ça vous a pas tilté qu'il y avait un truc en haut? Bah si. Bah si, on y allait. D'accord. Ok, bon très bien. Bon bah maintenant on va tout droit. On va tout droit ou on se laisse? On se laisse à l'entrée du truc. Eh ben très bien, ça me va, let's go. Allons-y, en plus toi tu t'es déjà un peu spoilé. Ouais, c'est trop cool comme zone. Donjon, là, je veux pas survendre mais c'est trop cool comme zone. Très bien. Mais non mais c'est le donjon ensuite là, Abri, oui tout à fait. Okay. Ouais là c'était une zone gratos pour gagner un sort supplémentaire et pas des moindres parce que le sort que t'as récupéré il est vraiment cool. Ouais. Ah bah si on fait les apps, en fait ça on peut... Et le seul problème, sachant qu'on a encore des recharges de dalles. Alors, bah comment ça on a des recharges de dalles? Bah elles sont où? Bah c'est un de nos livres. Mais parce que moi j'ai un truc qui s'appelle recharge de Calypso. Est-ce que t'as la recharge de la source? Oui. Bah attends. Clique dessus ouais. Et fais nombre de recharges, moi il m'en reste 3. 4. Il y a du monde qui nous... Ah ouais. Et ça rapporte 50 dalles. Mais sinon aussi ce qu'il faudrait faire plutôt ce serait... Faut les buter. Hein. Ouais. Ce qu'il faudrait faire qui serait bien ce serait prendre la recharge de dalles automatique avec des points d'XP. Putain, moi je l'ai ouais. Et moi faudrait que je la prenne parce que bon vu que... Pardon. Moi je l'ai level 1 mais c'est déjà ça quoi. Ah moi je l'ai pas du tout. Bah ça faudrait la prendre. Bri t'as de la force toi c'est ça? Non moi j'ai résistance, régène et hâte. D'accord. J'ai pas pris force. Putain, ils arrivent encore par en haut là ils sont chiants. Bah nous on descend. Encore qui arrive. Bah il vaut mieux descendre encore. Ouais vas-y on descend. Vous avez de la vie? Ouais ça va. Oh là là, mais ça descend profond. Ouais, y'en a plein. T'étais déjà descendu jusqu'en bas, Hunter? Oui, bien sûr, c'est là où il y a le jump, c'est en bas.
Il y a environ 1 à 2 heures de marche hein, pour descendre, par contre. Ouais, d'accord, parce ça, que ouais. Vous êtes poursuivi par plein de trucs en diams. Ouais, ouais, mais il y a masse de mobs, hein. Je sais pas comment on va faire pour se les. Ouais, ça va bien passer. Ok, j'arrive. Je vous propose de démarrer un tout. Ouah, juste le début du jump, en fait, juste pour au moins être tranquille. Voilà, là, on sera tranquille ici. Mettez-vous là, on sera tranquille. Voilà. On peut se laisser attends, là. Attends, je suis pas sûr qu'on soit tranquille. Attends, ici. C'est un archer. Oh. Quel archer? Ah, lui. Derrière le mur, ouais. Ah, lui. Oh putain. Ok. On m'a l'air ah ouais, bon mais là. Ah, archers partout là. Ouais, ouais, mais j'ai un arc aussi donc. Bon, ils ont 12 millions de PV, mais voilà, il est mort. Ok. On se laisse? On se laisse. On se laisse, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était. Pardon, viens pas devant moi. C'était Super Brioche, Ifello et Unstar Bleacher. Oh yeah! Allez. Bye bye! Bye bye! J'ai une épée dans le crâne. C'est rien, c'est rien. Ok.